Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau Grand Prix, pour le Grand Prix de Monza de la Ligue A sur F1 RS. J'ai la chance d'avoir à mes côtés notre ami Driver, je ne sais pas s'il est là parmi vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Bah écoute, parfait aussi, c'est une nouvelle saison qui commence, on a déjà eu l'occasion d'avoir la Ligue B la semaine dernière, nous deux déjà en piste hein. Avec, je le rappelle, une très belle victoire de ta part. C'est vrai, c'est vrai. Pour commencer la saison. On va dire ça, oui, c'est sûr. Et là, en quelques mots, quel est ton ressenti? Est-ce que tu commences de bon augure, t'es content, t'es chaud patate pour enchaîner cette saison? Je vais attendre quand même les autres courses parce que ma victoire, c'est de la pure chance, complètement. Grâce au fait que les Tux se soient plantés à la VSC, donc on va dire c'est les aides de la course, mais je trouve que c'est quand même de pure chance, donc on va voir ce que va se passer les autres courses, et puis après on verra bien, et si je gagne encore, ça sera peut-être seulement parce que j'ai le niveau, mais sinon si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre, on verra. Pour l'instant là on va avoir la chance d'avoir Nitrox en premier pour son tour chrono. Écoute, on va aller voir ça tout de suite. Là, c'est l'écran ce rendu, soir. Oh, c'est très fort là. Pardon. Comment? Moi, j'ai dit, on a l'écran aujourd'hui. Nous, on était les petits la semaine dernière. Oui. Liga, ça. Donc, c'est cool ça. On va voir du spectacle, je l'espère. Parce que des nouveaux. On en a eu pas mal déjà. Déjà, la petite différence par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a une grille complète, donc c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr, oui. On a une grille complète, ouais. On a le retour de Valou. Retour fracassant, on va voir s'il va faire quelque chose de beau. On a Frozy, 4HO, qui nous a Namsi à nouveau aussi, hein, qui était pas là la saison dernière, mais qui va apparemment, hein, de ce que on peut dire les gens, apparemment est rapide, on va voir ça. Lucifer, JBL, tenant du titre de la saison précédente, Horizon, Babtou, aussi un retour, hein, qui était pas là la dernière saison. Après, on a bien sûr Riak, toujours présent. Bigood également, Nitrox, le petit nouveau là qui est en train de faire son temps actuellement là, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. On a après Mouti, le zombie, Alex, DJ, bien sûr toujours, Lemk, The Raven, Mastak et Provençal. Donc Mastak, je crois que c'est un retour aussi, hein, il me semble. Mais en tout cas, eh bien, du lourd, du très très lourd cette année. On va voir si JB est toujours aussi en forme pour le titre. Voir si bien sûr on n'a pas un petit Nitrox, Namsi, Kuzai, 4H ou Frozy, enfin voilà, s'il n'y a pas quelqu'un cette année qui peut éventuellement déranger JB. Oh, ça, bon, en tout cas pour l'instant, et eh bien Nitrox qui entame son dernier virage, là où bien sûr on a pu vivre il y a deux week-ends auparavant, et eh bien une incroyable victoire, hein, du pilote français Pierre Gasly, on s'en rappelle, hein, où on a bien sûr Julien Furgo qui gueulait accélère, c'était beau. Et la Namsi qui va passer avec un 1.20.3. Bon temps, on va voir après ce que va se passer. Peut-être Valou, me semble, qui est le deuxième à se montrer. Non, 1.22, ouais. Non. Ça avait coupé, je crois. Ah oui, putain, c'est ça que c'est marqué maintenant. Oula, j'ai plus l'habitude. Vas-y, bah, nouveauté, hein. Ah, voilà, Horizon, 1.19.8. Bonne déclaration d'amour, et donc bien sûr après je vais mettre le live pour voir si bien sûr oula, et donc là dans le live on a bien sûr Mikilito, Linz qui est toujours présent, Mister Elsa, Zix, on a Linz qui est à fond derrière Nitrox et Alex. Oula. Espérons qu'il ne se plante pas. En tout cas merci aux nouveaux follow qu'on a eu, hein, durant la petite phase d'intro là. On a eu CLM GRD, on a eu Iceman Vettel, on a eu oula, Titi Goderer 1, si je dis pas de bêtises. En tout cas, merci à vous pour les follows, ça fait toujours plaisir. Et puis un resub de Mikito et un resub de Linz. Il fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère, messieurs, que... Non, Linz qui vient de se sub, il me semble, non? Ah, qui vient de... Mais je crois qu'il vient de s'abonner à l'instant. Par rapport à Mikito, effectivement, t'as raison. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le spectacle qui s'annonce... Et voilà, et c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on disait bien sûr, hein, Namsi, hein, les preuves sont là, hein, 19.2 pour Namsi, contre 19.4 pour JB, je pense que clairement ça peut s'améliorer ça pour JB. Hein. C'était quoi déjà le meilleur temps en Ligue B? C'est une très bonne question, je n'ai pas pu faire du travail de... Linz, pour vérifier tiens. Tout ça, mais en tout cas déjà Linz, peut-être Linz va nous le dire, je crois. Hein?
Melins va nous. Ah, j'avoue que c'est peut-être mieux. Non, mais Melins, je pense qu'il va nous dire. Il va nous dire. Il est là, donc il va nous le dire, je pense. Bah écoute, déjà, on se rapproche pas mal des IN 18, hein, une 19 200, alors j'arrive pas à voir très bien, 233 je crois. Ouais, 233, ouais. De Numsy, un petit nouveau, qui a l'air très prometteur et qui va peut-être mettre à mal un petit peu la... Ah, une 19.745. Ah oui, voilà, donc 745. Ouais. Ah bah là on les bat bien, largement pour le moment. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pas pour rien qu'on est en Liga, donc forcément c'est supposé être la crème de la crème, on verra ce que ça donnera au premier virage. Espérons qu'ils ne fassent pas comme les compères dans la vraie vie, hein, Grand Prix du Mugello, c'était un vrai carnage. C'est vrai que c'était un Grand Prix assez mouvementé en vrai, donc bah écoute, déjà une chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas droit à du triple restart en quelque sorte sur la grille de départ, étant donné que les drapeaux rouges à ma connaissance n'existent pas sur le jeu, donc ceci-là ne se pose pas. Et je propose d'aller sur Babtou, qui est en tour de sortie là. Je suis déjà sur Babtou, effectivement. Okay. Ok, on va parfait. Voir sur sa belle petite Williams, étant donné que qui joue gros aussi, hein. Le champion de la Ligue B de l'année dernière, même si bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de polémiques sur sa présence dans cette ligue, mais bon. En tout cas, je parle en Ligue B, bien entendu, étant donné qu'il avait un peu au-dessus de l'ensemble de ses camarades, mais bon. En tout cas, il est dans le grand game avec la Liga, donc à lui de voir s'il peut titiller les grands et viser le titre. Ça commence dès aujourd'hui avec Manda. Ce s'appelle Petite Williams. Moi je suis sur Riak JB 19.1, voilà, je l'avais dit. On va éventuellement toucher les 1-18, hein. Ça c'est sûr. Ah bah là je pense qu'on va plus que les toucher, hein. oula, au Babtou dans le mur. Mais non. Et il a réussi à sauver in extremis un peu sa voiture, donc c'est bon, il arrive à repartir. Drapeau jaune, mais c'est bon. Peut-être endommagé. Et du coup, je vous propose d'aller sur Riak, qui est en plein tour là. On va voir Riak, où est notre ami. Pas de problème. Il arrive dans le double droite. Je le cherchais, je savais pas sur quelle voiture, parce que forcément on apprend aussi leur nouvelle monopasse. C'est sûr que oui, cette année on a quand même des gros line-up, hein, des gros joueurs. Ça va être la bonne bataille. J'étais en train d'aller chercher et vérifier quel est notre line-up exact, parce que forcément on ne connaît pas forcément tous nos pilotes. Ah bah le line-up, chez As on a JB DJ, chez Mercedes, Namsi Lemk, chez Renault on a droit à avoir un Horizon Frozy, chez Force India Racing Point, ou je sais plus comment ça s'appelle cette équipe rose là, chez les roses, hein, on va dire. Racing pour Point actuellement. Racing Point, eh bien c'est Mouti avec Kyuzai. Chez AlphaTauri, on a le duo Alex Catracho. Pour la Williams, on a bien sûr Mastak et Babtou. Ainsi qu'après, donc pour McLaren, Lucifer, The Raven. Et pour Red Bull, Valou, Bigood. Il me semble que j'ai oublié personne. Non, ça devrait être bon. Et voilà, donc c'est bon, le petit line-up de cette saison. Ah mais Namsi est dans mon écurie, allez Namsi. Eh oui Lynn, c'est vrai que voilà, ça serait bien que tu puisses supporter tes camarades de line-up, hein. Pas que Lynn que Nitrux et je sais plus qui là, Alex. Bon, l'instant Alex 8ème, 20.1. Nitrux qui a fait une... combien déjà il me semble. Je vois plus Nitrux. Nitrux il est où? Je l'ai perdu. Ah non voilà, une 20.2. On va regarder du côté des Ferrari, hein, parce qu'ils jouent à domicile, hein. Faut peut-être pas l'oublier non plus, même si... Les Ferrari, bah donc on a Riak et Provençal qui pour le moment. Moi je suis sur 4 Racho là. 4 Racho qui va finir son temps là, 19 20.1. Alors attends, parce qu'il y a Zereven qui sort descendre, Provençal qui va s'élancer sur un nouveau tour je pense. Provençal qui va s'élancer. Donc il va se lancer sur un nouveau tour. Oula, je me suis dit si au point. Et qui est passé sous les IN19, IN18-953 pour le pilote. Oula, et Frozy, une 18.9 là, direct là. C'est les deux Renault effectivement, ouais. Frozy Horizon, hein, qui sont très présents là. Ah, ça va obliger JB à sortir, hein, parce qu'on rappelle que eh bien, JB, c'est l'ex-champion. Tout à fait. Et voilà, JB qui ressort justement à l'instant. Il va aller bouffer les petits jeunes qui sont devant. Et Kuzé qui nous dit des bisous partout, Mikito qui dit non. Oh Mikito. Ah bah il faut savoir, hein, sinon on peut partir et on vous laisse dans votre coin sans personne. Le zombie, qu'est-ce qui s'est passé le zombie là?
Le zombie, bah écoute, je ne sais pas. Je suis en train d'arriver là, avec Provençal. On le voit à droite, et oui. Ah, le mur, merde. Aïe aïe aïe. C'est bon, j'ai le mur. Il va faire un temps en jaune, une 22.1. Malheureusement, il pourra pas. Je vais éviter d'être sur la même personne que toi, parce que sinon ça sert à rien que je le file. Bah écoute, ça dépend, là hop. Pour le moment ça reste assez calme. Bon, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, chers téléspectateurs, que nous sommes sur un farm un petit peu différent au niveau des qualifs que par rapport à la saison précédente. Ou les saisons précédentes, étant donné qu'on est sur une qualif courte de 18 minutes, hein. Étant donné que bon, on va dire on le fait un peu à l'ancienne, c'est plus sympa d'avoir une seule séance de qualif qu'en avoir trois et ressortir à chaque fois. Donc séance plus courte pour justement avoir une course qui finit un peu plus tôt, au cas où si on a des soucis techniques quoi, donc ça permet de faire des restarts plus facilement quoi. Ah, c'est sûr, après malheureusement et eh bien ça a tué la stratégie, hein. Il n'y a plus de stratégie maintenant. Donc c'est sûr que malheureusement et eh bien la stratégie de faire des temps jaunes, ça sert plus à rien. Mais bon. Je trouve ça mieux quand même les qualifs courtes, parce que ça met plus de pression, t'as pas le temps de. Enfin. T'es tout le temps en activité quoi, tout le temps qui vive. Parce que quand, par exemple, quand c'était la Q3, bon moi tu. Si t'étais sûr de passer en Q3, si t'étais promis en Q1, tu te faisais chier, donc tu pouvais limite partir, donc bon. C'était un peu. Non plus... c'est sûr, après j'avoue que je suis plus fan de ce format actuel qu'avoir ces petites éliminations de 5 pilotes à chaque séance. Je trouve que c'est plus piégeux de faire une seule séance qu'en 3 fois quoi. Oui justement oui, c'est mieux. Donc ouais. Chez nous on le fait, on a cette possibilité là de basculer, le jeu nous offre ce choix là, donc autant en profiter. Alors vas-y, on tourne embarqué avec Babtour, est-ce qu'il va cette fois-ci faire un temps sans se prendre le mur? J'espère que ça va se faire. Ah là là, JB, une 18.7, il les aurait eu les petits jeunes là, les petits jeunes, c'est bien ça JB, qui se laisse pas faire. Et oui, et dire qu'on va là, hein. Au moins on est, c'est officiel, JB qui met plus d'une seconde par rapport au temps Lib B. Voilà. On avait quoi, une 19.747, donc c'est vrai que là, il a cassé le game là. Ah là, là JB il a dit, c'est moi le boss. Et bien sûr, hein, je rappelle les paroles de JB hein, en début de saison, qui disait qu'il n'avait pas roulé et il s'était pas entraîné, hein, donc il allait se faire laver les fesses cette année. Et bah, je pense que c'est lui qui lave les fesses à tout le monde là. Écoute, déjà on va surveiller Babtou parce Mouti. Que Mouti aussi, pareil, au même endroit que le zombie, ah, malheureusement. C'est un sixième temps pour Babtou. Ah, en étant sur Lucifer, on va voir où s'est planté Mouti. C'est bizarre qu'il n'ait pas la hauteur comme ça quand même. Allez, c'est une sur Riyak, attends, Riyak est en train de faire son tour. Ah oui, d'accord. Sixième temps pour Riyak, c'est beau, une 19.45 quelque chose, j'ai pas eu le temps de tout voir. Alors, Mouti est sorti exactement comme Verstappen, mais c'était fatal. Alors écoute, on va regarder du côté de Bigou ce que ça va donner, parce que lui il n'a toujours pas fait tant, je sais pas s'il y a eu des problèmes techniques avec son PC, mais j'espère que ça va aller. Okay, il est en piste, il va essayer de faire un temps et se classer au mieux. Allez, Nitrox qui est en plein temps là. Alors, je sais pas s'il améliore malheureusement. En tout cas, on a. Nitrox en attendant. Il arrive l'année virage. Vince qui nous sort qu'il a ses petits chouchous pour ce soir. Hein, et en la personne d'Alex qui est très chaud, Nitrox. Rien de choquant. Nitrox. Non, Nitrox améliore pas. En retard de 1 dixième. Il repart sur un tour, hein, Nitrox, hein. Il est reparti là. Et aussi, on a la fan number one de JB, on la personne de CD, hein, qui est fidèle au poste pour voir évidemment. Mister JB en action et qui pour le moment maintient la tête de sens de qualif. Mais qui nous dit que c'est pas Cindy qui roule et JB qui parle? Ah, oula, Bigoud qui s'est raté complètement au premier virage et il nous a fait une Vettel ou quoi? Il a ses freins qui ont lâché? Ça se passe comment? Il a vraiment fait une Vettel, hein. Oui. Il a dit rien à faire des blots. C'était sur cette chicane, elle a jamais existé pour moi. Hop, je suis tout droit. Et Provençal là qui est en tour de sortie.
pour un sale qui peut largement aller chercher le top 5. Hein, ça y est, reste 15ème temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous fait un petit temps là? Mastak secteur, non. Ou pour un sale qui va peut-être se faire gêner par Alex là. Qu'il fasse attention, Alex. C'est bon, c'est bon. Ah, merci pour le follow, la tête à Toto, ça fait toujours plaisir. Puis c'est dit qu'il nous confirme bien voilà. que c'est elle qui roule en ce moment. On ne dira pas la célèbre frappe au beauf que je pense là actuellement, mais pour l'instant elle est rapide. Alors est-ce que comment ça va pouvoir améliorer ça? Parce que c'est vrai que pour le moment c'est assez serré, on a un peu deux lits qui se. Enfin deux groupes plutôt qui se créent. C'est très serré hein. On les 10 autres en quelque sorte si on peut voir ça comme ça, parce que c'est ultra serré quand même entre la 11ème et la 10ème place. Bah la top 3 est en. Oui c'est vraiment serré. Ah, et pour celle qui coupe son effort. Ouais. C'est fini. Ah, on a JB qui est en avance. Non, c'est juste qu'il a fini son temps. Est-ce que quelqu'un d'autre. Oula, Nitrox est dans le. Parti dans le. Frozy Costand, c'est terminé pour Frozy, hein. Frozy qui n'améliorera pas ce soir. Il va devoir. Est-ce qu'il nous fait un temps ou pas? Parce que. Allez, bien, secteur 2. Ouh, ça coupe, c'est coupé, c'est fini. Ah, ouais. Bah, j'espère qu'il rouge. A encore un peu d'essence pour faire un dernier tour, sinon c'est trop big good. Ah oui, ah c'est sûr, et on a les Namsik en tour de sortie là, qui chauffe les pneus. Ah Namsik, je pense que là il veut choper le meilleur temps là, je pense qu'il a envie. Bah écoute, déjà il est à 5ème voilà. À aller chercher, donc on va voir ce que ça donne. Faut qu'il fasse attention, un peu gêné avec Lem là. Les deux Mercedes je crois qui sont en train de chauffer les pneus, prêts à s'engager sur un dernier tour. C'est parti pour Damsi. Est-ce que Big va pouvoir s'élancer à nouveau? A priori oui, il est pas entré au stand, il a encore peut-être un peu d'essence pour repartir. Ah ouais, je pense qu'en espérant que pour Bigood il puisse faire un petit temps quand même, parce que bon, ça fera les affaires pour le. Oui déjà, non ça va, ça a l'air d'être encore jouable. Ouais. De toute façon, ce serait le premier drama si effectivement Big Wolf ne se qualifie pas et reste bon dernier. Bon, Nom 6 c'est secteur 1 violet là. Pour l'instant, il a enchaîné les petites chicanes parfaitement. Alors attention, est-ce que le secteur 2 pour Namsi. Je sais pas s'il peut partir. 4 choses c'est terminé, il restera 11ème, Riak aussi 9ème c'est terminé. Et Lucifer également. Ah, secteur 2, DJ qui s'est planté. Oh non, DJ qui s'est planté. Ah oui, on l'a vu. Ou alors soit il a abandonné, soit il s'est planté. Mais je pense qu'il s'est planté, on l'a vu sur Horizon. La sortie des doubles droites qui a été. Il a été faire un bisou au mur. Malheureusement, ça a été fatal. Quatrième DJ, hein, qui lui aussi avait dit qu'il se ferait laver les fesses en qualif. Quoi, les retouristes. Et c'est pas de temps pour Bigood. Big Good, c'est fini. Attention pour Namsi, une 18.3. Waouh. Oh là là, c'est assez du temps. Et pour l'EM que derrière, je sais pas 11ème. Si. Et là, Namsi hein, qui confirme son statut de. De potentiel. Il est rapide. Leader, ouais. En tout cas, il a bien caché son jeu, ou du moins sa dernière tentative était très bonne. Elle était propre, hein. Ouais. J'ai vu, elle était propre. 4 achats, c'est terminé. Ouais, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut améliorer Babtou qui est en plein temps. Babtou qui va faire un temps de 1.19.2 qui passe devant Provençal. Bien joué, 6ème temps. On a Provençal, c'est terminé. Ouais, tout le monde est terminé, reste plus Provençal. Qui est en panne d'essence. Ouais, donc plus personne peut améliorer. Bah écoute, on a notre grille de départ. Si tu regardes le live, fais un coup de volant à droite. Ah bah non. Bon bah ok. Il n'a pas envie. Pour tous les pilotes qui nous écoutent, veuillez tourner votre volant à droite. J'ai une autre idée, c'était pour tous ceux qui nous écoutent, ne freinez pas tout en virage 1. Et là on va tout le monde partir tout droit. Et voilà. Finir, bah écoute, a priori c'est bon hein. On a une autre grille, hein, même si sur sa Mercedes qui va partir premier côté d'Horizon, JB 3ème, Rosie 4ème, 5ème DJ, 6ème Babtou, 7ème notre ami Provençal sur sa Ferrari,
qui suivi de son coéquipier Kuisa et Riak 10e, Lem 11e. Nous avons Alex et Catracho qui restent collés les uns aux autres. Hein. Ils sont collés hein, là aussi. Oh là là, quel temps! Quel temps! Zeré, entre les deux là. 14e, ouais. Zeré 14e, Mastak 15e, Valou 16e, Lucifer 17e. Petite déception aussi du côté de Fer, je dirais. Nitrox 18e, là aussi peut-être une petite déception pour le pilote Sauber, Zombie 19 et Bigood 20e. Donc, je pense que là, le plus gros drama, si on peut dire, c'est Bigood quand même qui va partir dernier. Qui va devoir oui, c'est sûr. Hein. Mais par contre, oui, la différence de temps entre le souhait de The Raven, Catracho et Alex, c'est dans un mouchoir de poche. Hein. Et même entre Lemke, de Lemke ouais, jusqu'à The Raven. Ça se joue à rien, incroyable, comme quoi. Incroyable, incroyable. Et pourquoi tout le monde a arrêté là? Oh, il y a eu un crash là. Ah bah autour de bah, The Event qui était dans le tas avec celle de la Red Bull là. Ah là, les bots hein, qui sont toujours aussi surprenants. Hop, alors on va faire un petit temps, un petit tour sur Discord, voir si tout se passe bien. Ah, et Moutique nous dit que c'était à cause du vibreur qui était surélevé. Et Catracho qui répond, on va vite aller en Ligue B. Tout de suite, hein, le défitiste. Et oui, bah écoute, de toute façon la saison est longue, 10 grands prix sur cette saison, donc il y a de quoi faire. Hein. Tu sais qui nous sort sa recette de grand-mère, t'inquiète, pour être rapide, faut partir 2 semaines en vacances. Tu conduis beaucoup, donc c'est l'entraînement sur l'autoroute. Ça marche aussi, effectivement. C'est une vérité, oui. Ça peut effectivement marcher comme ça aussi, hein, mais bon. Rappelons que c'est le pilote provençal qui est plus à son prêt ce soir. On va voir si personne ne va l'oublier. Oh, il fait une chaleur. Une chaleur. Une chaleur. Merci Alpha4004 pour le follow. Merci à toi. 100%, c'est un fanboy de Nomsi ça. Bah écoute, à voir. On espère juste avoir une course aussi propre qu'en Ligue B, hein, parce que c'est vrai qu'en Ligue B, on a eu quand même un tour ultra propre, il n'y avait pas de problème sur le... Je sais pas. Bah au premier virage, il n'y a pas eu de drama et tout, donc on avait montré l'exemple, après à voir ce que vont faire les petits grands, mais on espère avoir un départ de course propre, quoi. Même si on va pas se mentir que des petits dramas, ça peut toujours faire plaisir à la caméra. Surtout, ça fait comme Mugello, ça fait plaisir. C'est vrai que sur la grille de départ, en plein restart, c'était beau. On avait bien l'impression d'être sur Codemaster, mais sauf que c'était livré, c'était des bons pilotes. Ah. Et voilà, et j'ai pas le son, génial. Ah, ah voilà. Bon. Ah, mais j'allais dire pour qui. De toute façon, nous restons sur la stratégie proposée, donc sur un seul arrêt, la plupart sont partis sur des softs, je pense. Hop, ouais, tout le monde est parti sur des softs à part Bigood qui tente les médiums. On va voir ce que ça va donner dessus. Pourquoi j'ai pas les pneus moi? Peut-être faut les activer. Ah, c'est bon. Moi je préfère mettre le changement de position pour voir au bout de quelques tours ce que ça va donner. Bah écoute, reste sur les changements de position comme ça tu pourras donner les infos en live de ceux qui ont bien progressé et tout. Moi je reste sur les pneus comme ça c'est plus intéressant. Je vais me mettre, je pense, sur Mastak si sa caméra est bonne pour le premier virage. Bah, écoute, ah voilà, la stratégie d'arrêt stand qui est prévue. Un arrêt, ouais. Tour 11, tour 13 on met des jaunes, sinon tour 10, tour 13 on met des blancs. Et voilà, c'est disparu aussi vite que c'était apparu. Bah de toute façon c'est un seul arrêt, donc soit c'est changé sur des softs, soit sur des hards, donc à voir ce que les pilotes préparent. Je pense en vrai que les médiums c'est les mieux quand même. Rouge, de toute façon rouge-jaune ça va être la stratégie je pense. Ah oui c'est ce qui est la plus rapide en soi. Oui mais ça va être la stratégie qu'on verra partout tout le temps sur toutes les courses je pense honnêtement. À part si quelqu'un est vraiment au-dessus du lot il peut faire un rouge jaune rouge mais bon. Ça je serais pas sûr. On voit déjà qu'il y a des petites techniques hein, d'Alex et de... Ah non, c'est bon, il recolle. Moi, je crois que j'ai préféré un petit départ sur une AlphaTauri. Bah, vu qu'ils sont positionnés tout stress, je vais rester soit sur Alex, soit sur Catracho. Bah, je peux peut-être faire plus Catracho, mais qui est un peu derrière. On va voir ce que ça va donner à ce niveau-là, en milieu de classement.
pour un grand prix de 50% et qui va se faire un petit 27 tours. En espérant un bon départ pour chacun des pilotes. Sans drama. Sans bug. Là, t'as relevé deux points, c'est important. Le drama et les bugs. Bah, la priorité de monter sur la grille, t'as l'air en place. Elle est géniale, ça se remue. Ça se met. Oula! Oh là, les feux! Et Jeff qui s'est amusé avec les feux! Oh, what? Il s'est passé un. Alors, 4 Hatchou est parti! Oula! Oh là, là, je viens de voir un truc là. Alors, je sais pas s'il y a un peu départ de 4 Hatchou, mais il est 7ème là. Il a réussi à monter pour beaucoup de pilotes là. J'avoue que j'ai pas tout à fait. Oh, il y a une Alpha Tauri qui coupe tout là! Il y a une Alpha Tauri qui a tout coupé! Oh là là, c'est le, un peu le fouillis là. Je trouve Nefer qui a. Provençal qui a. Provençal Boutique qui sont touchés. Il y a une voiture qui a tout dé. Oula, c'est compliqué là. Une voiture qui a tout démonté, qui a fait une Vettel. Nomsi, 19ème. Ah oui, Nomsi qui a tout perdu là. Il y a un petit problème peut-être. Je sais pas du tout, mais là en tout cas, drapeau jaune encore. Bigoud abandonné. Ouais, tout ça, Nomsi qui glisse. Bigoud, il s'est passé quoi virtuel. Ouais, Vess. Oula, là honnêtement, on n'a pas tout compris. On est pour ça qui a perdu 6 places. Nomsi qui a perdu 16 places. Mouti 8 places. On a, 4, on a Lucifer qui a gagné 9 places, hein. Ça c'est bon, on en a bien profité. Mais j'ai pas compris le départ de 4 Hachos là, où je sais pas si c'était Alex. Alors oui, qui c'est parti, non, c'était 4 Hachos parce que j'étais sur lui et il est parti avant tout le monde, donc je sais pas s'il a fait un faux départ, mais en tout cas. Je ne sais pas du tout, j'allais voir sur. De toute façon, c'est, normalement c'est marqué. En sur tout les, cas, sur les faux départs. Devant tout le monde a gagné une position. En termes d'incident, on a 4 Hachos collision avec Lemk. 4 Hachos qui s'est pris 3 secondes, virage coupé. Provençal collision avec DJ. 4 Hachos collision avec Baptou. Riak collision avec Valou. Ah, Valou Riak. Ouais, là j'ai pas compris. Mais il n'y a pas eu de faux départ. Je vais aller voir. DRS activé. Non, j'ai pas vu, non. C'est compliqué Winas, de. Il y a un tout droit derrière. Enfin, devant. Mais pourquoi les pilotes sont en fantôme là? Qu'est-ce qui se passe? Dans Pogeon Secteur 1, c'est JB qui était dehors là. Oui, c'était JB qui a fait un tout droit et qui a l'arrêt. Je sais pas ce qu'il fait, il attend tout le monde. Il a attendu de revenir sur la piste tranquillement, je pense. Alors en tout cas, il perd gros là. Oula, on a Nomsi, Mouti, Valou là. À 3 de front. Pour la chicane, Nomsi qui a un petit peu coupé. Oui, ça fait deux fois qu'il fait la même chose. Hein. 3 secondes de pénalité pour Nomsi. Qu'est-ce qu'on a là comme petite bataille qui peut arriver? On a Kuzai qui a beaucoup glissé. Lemk sur Kuzai peut-être. Attends, ouais, Lemk, ouais. À l'aspiration. Non, il va pas y aller, je pense que c'est trop risqué. Bah, contre, on a. Ouf, ça fait des dans les S d'Ascari. Ça se monte dans les rétros là. Ça se monte bien. Contre, On a Lucifer là qui est aussi en observation de ces Gugus. Et sinon, pour l'instant, on a Horizon Frozy, voilà, Horizon Frozy, c'est parti, ils vont s'en aller. On a Baptou là qui a remonté aussi en 3ème. Ah, et JB qui a quitté la session, je sais pas si c'est un bug ou pas. Ouais. Alors, en tout cas, là, ça va être 3-2 front, premier freinage entre Lemk, QCA et Lucifer. Et non, il va attendre gentiment derrière. Comment je peux l'inviter? Bien, va-t-il tenter quelque chose? Elle vient dans les échappements de Kissa et sur ses Racing Point. Sachant qu'il y a même la Ferrari de Riak derrière dans l'embuscade. J'arrive pas à mettre JB malheureusement. Ouh, Riak dans le mur! Riak dans le mur! Non! Si Riak a eu une mauvaise réaccélération en sortie de virage, il a endommagé son aileron. Ouais, JB a rejoint. Bug de coup pour JB, je pense. Ah, il a l'air de revenir. Il est revenu. On a derrière Mastak Valou qui sont arrêtés, je crois, oui, ils sont arrêtés, ils ont mis le pneu blanc. C'est pas fini là, acte 2 peut-être. Et il va avoir un petit bouchon là, on a l'impression d'avoir la Ferrari du Mugello là, Lem qui fait un petit bouchon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'ailleurs, on a la Ferrari on là. On a Provençal sur 4 Hachos là, Provençal sur Alex plutôt, ouais. Je veux dire. Et qui est passé, je crois. Et ce petit bouchon, ça va peut-être profiter à Nomsi qui va pouvoir revenir sur le groupe de tête. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, eh bien, c'est sûr que Lemk fait un peu bouchon là. Kuzai sur Lemk, il met le dépassement. Alors, Kuzai, il va réussir cette fois-ci à passer.
Dépassement contre dépassement avec le DRS. Il se met à l'intérieur. Ouh, ça bloque un peu. Ça se ouh, touche, ça se touche légèrement. Oula, ouh, ça se touche bien là. Lucifer qui est derrière là, qui est en. Qui patine un peu. Catracho aussi, qui va peut-être pouvoir en profiter. Non, il ne peut pas me dépassement. Alors, Lucifer qui me dépassement. Et le Lem que non. Lucifer à l'intérieur. On va se mettre sur Catracho pour voir ce qui se passe. Non, ça me paraît plutôt. C'est bon. C'est. Réaction, c'est toujours un petit peu tendu ici. Hein. Ça glisse un peu, c'est vrai que ouais, ça glissait beaucoup. Parce que bah, c'est Riak s'est fait surprendre la réaccélération. Riak qui passe au stand. Et du coup, là, Riak qui passe au stand. Et bruit provençal sur 4 à chaud là. La Ferrari semble avoir un peu de moteur. Hein. Plus performant quand même. Oui. Oula, 4 à chaud qui se fait déposer par provençal. Qu'est-ce qui se passe là? DRS contre DRS, la Ferrari qui dépose l'AlphaTauri. Ah, peut-être une vitesse de pointe de Max Puzel, mais du côté de la Ferrari. Eh bien, c'est Lemke. Ce que. Oh, Lemke! Non! Lemke sa voiture. C'est, ouais, c'est fini, c'est fini. Peut-être une safety car, peut-être pour les pilotes de Liga. Est-ce qu'il y aura une safety car, malheureusement? Non. Alors, attends, Provençal qui reste bien derrière Lucifer. Non, 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 malheureusement, pas de safety car. A noter que, eh bien, nous avons eu son coéquipier en Ligue B, Nitrox. Non, Linz, pardon, oh là là. qui avait fait le même travail, qui avait magnifiquement rattrapé la voiture. Bah, il y a un peu moi pareil, hein, qui a fait au début des d'Ascari. J'ai fait la même chose. Oui! Oui! Et on a Nitrox qui passe sur Zareven là, avec le DRS. Alors, moi je suis toujours sur le petit train-train, parce que là maintenant c'est Cuissa qui fait bouchon. Et avec Lucifer qui se décale. Nom 6 sur Alex là, attention. Nom 6 sur Alex, c'est passé. Non, c'est Alex, voilà, Alex qui va, pas, qui va attendre le DRS pour retourner dessus. Il y a Provençal aussi qui va profiter là. Bah, tout 3 secondes de pénalité. Oula, on a Kuzai sur Provençal, oui. Ou peut-être Provençal, Kuzai, je sais pas. Ah, non, c'est Provençal sur Kuzai qui est déjà passé et qui va s'attaquer, je pense, à Lucifer. Bon, elle a l'air bien en jambe, hein. La Ferrari, elle a l'air d'avoir du rythme et tout. Ah, ouais, derrière aussi, voilà, Catracho. Allez, Driver, tu peux gagner. Comment ça je peux gagner? Alors attention, Catracho qui ressort ouais, mieux sur Catracho les S. Ressort... Non, non, il va pas pouvoir. La DM Alpha. Derrière, je vais aller voir, on a... Ah non, il peut pas tenter quand même, il reste gentiment derrière. Ouais, pour le moment, je me focalise sur ces batailles-là, parce que c'est là où il y a la bataille, quoique Nitrox aussi n'est pas très loin de Mouti. On a Riak sur Valou aussi, hein, en fond de grille là-bas. Riak à 6 dixièmes. Mais là, attention au freinage. Alex qui se décale sur 4 à chaud. Non, il va pas tenter, hein, ils vont pas se mettre dans le mur. Ils vont juste se suivre. C'est vrai qu'on a un petit train-train. La Nom 6 qui va pouvoir éventuellement peut-être. Penses-tu que Nom 6 aura le rythme pour rattraper Horizon et Frozen? Là, il y a Nom 6 qui a fait un tout droit. Attention, Nom 6 sur Kuzai. Oh, c'est dommage pour Mouti, ouais. Il avait quand même bien freiné et tout, et il se prend quand même 5 secondes. À l'intérieur, attention, Nom 6 qui freine très tard. Oula, Nom 6 qui fait des dépassements quand même très musclés hein, sur les chicanes à chaque fois. Enfin, attends, c'est Provençal aussi qui se bataille avec Lucifer. Ah oui, mais là, Nom 6 qui va pouvoir fondre son Provençal et Lucifer. Regarde, attention, Nom 6 qui va pouvoir éventuellement. Il a le DRS, Provençal, attends, DRS. Regardez la VMAX de Provençal là, waouh. Ah bah là, VMAX, c'est ce que... Eh bien, vous voyez là, vous voyez la Ferrari qui va vite. Eh bien, c'est ce que rêve Binotto tous les jours. Cette vitesse. Ouh, Nom 6, ça glisse un peu là pour la Mercedes. Plus avec 3 secondes de pénalité. Je pense que tout le monde aura 3 secondes. Lucifer sur Provençal ouais. Peut-être là. Ah, il faut qu'il attende, il a pas entendu la zone de DRS. Provençal qui a eu une F1 qui a freiné juste avant pour l'avoir. On l'a vu. Ah, il a bien joué son coup alors. Voilà. Et quoi? Qui a DRS? Si, c'est. Ah! C'est bon, il l'a, mais il a perdu du temps là, et en plus il y a Nom 6 là! Nom 6, est-ce que Nom 6 va tenter 3 de front là sur Lucifer? Enfin, attention au freinage là, enfin, attention! Ou il va tenter l'extérieur pour. C'est beau, bon déplacement, pour une fois pas musclé. On a des arrows stand là, on a Mouti, Alex et Bob tout au stand. Oula, c'est bon là. Nom 6 qui a 41% de DRS contre 6% pour Provençal. Nom 6 qui a aussi remonté avec un rythme assez fou et avoir 53% de DRS. 21 pour. Ouais, il a bien économisé son DRS. Ah, et on a un goût Provençal. Et oui, Provençal a un bon rythme, c'est vrai, il remonte tranquillement. Donc peut-être qu'il va pouvoir aller titiller le top 3, je pense. Faut se dépêcher, hein. Si Nom 6 Provençal veulent tenter, même Lucifer veulent tenter le top 3, faut.
Faut retrouver du rythme là. Faut retrouver du rythme tout de suite. Et on a un Goku Nitrox de Mikilito. Et oui, on a les Fleb. Il y en a un Golicifer. Mais... Enfin, d'un goût tout le monde quoi. Nitrox qui est, il me semble, le pilote de Mikilito, je crois, non? Je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Et on a l'Exix qui dit que Lucifer, et oui, Lucifer en P4, hein. C'est très bon. Lucifer qui s'arrête au centre là. Bon, Antoine, si... Non, bah non. Pardon. Oula, et Namsi qui va pouvoir eh bien fondre sur Lucifer. Et pour un seul qui a le DRS, mais qui est loin là. Oula, c'est zigzag. Technique du dragon pour Namsi. C'est le zombie, mon pilote. Ah oui, bah le zombie 11ème qui est à la porte des points là. Valou 3 secondes. Il semble que c'est 3 premières secondes. Hein. Ouais. En tout cas, Namsi bah, est bien parti pour essayer de remonter sur le devant de la course. Et on a le zombie JB là, ça se bataille à la chicane. Et c'est le zombie qui est passé sur JB là. Ouais, en tout cas, à partir de la 3ème position, ils ont tous commencé à faire un arrêt avec un peu des deux, du medium, du hard, donc on a un peu de tout. Bah, Mastak et Valou ont fait du. Ouh, le JB sur le zombie. Alors, ça freinait. Ouais, ça freinait très tard. Je sais pas si le zombie a fait exprès de freiner tard ou s'est dit tiens, JB va me. Reconnaît l'arrière, mais en tout cas, c'est propre, hein, ils se sont respectés malgré cette erreur, et donc c'est passé pour JB. Alors, on retourne sur Riak là, non, sur QZ. Ouais, je regarde devant, où est-ce qu'on peut trouver un peu de bataille? Ah oui, Riak, effectivement, qui est très proche de Mouti. Ah, et Namsi qui est passé sur Lucifer, on n'a pas vu ça, mais si, en si, tout cas. C'était en début tour, ah, oui. Au premier virage, enfin, sur une droite. Ça, alors, j'ai l'Alzheimer. Et est-ce que Namsi va pouvoir aller chercher bah attends, DJ? Ah, oula, okay, ouais, okay. J'ai vu deux places moi aussi. J'ai vu les flèches affoler. Ou Lucifer peut-être au freinage sur Namsi? Non. Bon, Namsi qui bloque les deux roues là. Attends, Riak Mouti là, ça va splitter. Riak Mouti. Oh là oui. Là oui, c'est vrai que ça va y aller là. Là, Riak il active tout là sur son volant là. Il tend tous les boutons. Ah, malheureusement, l'échappement de la Racing Point, il va gentiment attendre d'avoir le DRS pour le doubler correctement sur la ligne droite. Ouh, Riak qui sort large, hein, attention, on peut faire une Leclerc. Il y a un restant de. Ah, le zombie, changement d'aileron, malheureusement. Il va tout perdre là, c'est dommage. Riak qui prend un peu d'air frais en se décalant, en restant à l'intérieur. Non, il va se mettre dans le. Tempo jaune secteur 2, c'est. C'était Kusai, je pense. Il me semble que Kyuzai est sorti un peu large parce qu'il a perdu du temps. Nitrox l'a rattrapé, Nitrox 8ème hein, qui va pour aller chasser Kyuzai. 4 à chaud, 3 secondes. Ça fait 6 secondes pour le joueur français là. 4 à chaud qui est 6ème hein, et qui disait rendez-vous en Ligue B. Et bon, pour l'instant non. Alex 3 secondes. Ouais. Qui va suivre bien. Il est à Provençal, mais Provençal vient de changer ses pneus aussi. Mais qui a l'air d'être un peu en difficulté le temps de les monter en température. Notre ami Alex qui va essayer de doubler. Et on a un air au stand en face, Namsi DJ au stand. Namsi qui va eh bien chausser des pneus blancs. Ah, Namsi qui a choisi les blancs. Et DJ aussi. Pour faire. Ah bah oui. Ah, c'était tour 13 pour les jaunes. Et oui, tour 13. Allez, Namsi qui. Et ils vont sortir quartier libre hein, pour les deux pilotes là. Ils vont pouvoir aligner les bons temps. Et c'est JB, Nitrox, chicane. Nitrox qui a malheureusement, eh bien. Fait une erreur. Allez, à nous, ouais. Malheureusement, là, je pense qu'il va falloir qu'il rentre au stand parce que les pneus, après 9 tours, il y a un tête à queue. C'est des patinettes. Et on a JB qui est au stand. Lucifer, 3 secondes. JB qui va pouvoir chausser des pneus jaunes de medium. Des mediums. Et oui. En tout cas, c'est deux stratégies. Enfin, on a un peu tout. Ceux qui ont ouais, c'est vrai. Des mediums, d'autres des hard. Donc, on va voir ce que ça va donner sur la fin de course. Normalement, c'est... les deux tiennent. Hein, mais pour le moment, malheureusement, c'est le zombie JB là. Ouh, JB dans le mur. Ouh. Et je pense qu'il devait y avoir une tentative, je pense que il me semble que JB est sorti des stands et le zombie ils étaient côte à côte, il y a dû avoir une touchette. Alors est-ce que JB a son aileron de cassé? Je vérifie ça. Non, ça peut l'air d'avoir des dégâts, mais malheureusement il vient. Qui est au stand, le leader qui s'arrête. Qui met des jaunes, 4 à chaud qui va s'arrêter aussi. 4 à chaud qui va chausser des jaunes, hein, je pense.
très honnêtement, voilà. 4 HO, c'est des jaunes. Il va ressortir. Il va sortir. Oui, et 4 HO qui. Ben, what? Il est où? Au centre? Mais il a disparu sur les images. Ah voilà. Oh putain, oh Babtou qui m'a fait peur. Babtou qui a pris l'inspiration, l'aspi pardon, sur son 4 HO. Attends, est-ce qu'on a un peu de bataille parce que 4 HO. On a. Oui, Namsi Nitrox bientôt là parce qu'on a 0 tour sur les pneus blancs contre Ditto. Qui va peut-être se défaire de Valou. Mastakriak aussi là si tu veux aller voir. Pour ouais. La 12ème ouais, place. On va regarder ça parce que ça a l'air d'être un peu plus. Non, ça s'observe. Peut-être Valou, Valou The Raven, oui. Valou The Raven pour Kondazou, je ouais. Confirme. On reste sur décalage. Freinage très tardif pour The Raven, ça touche un ça peu. Passe. Parfait. Très beau déplacement là. Et on a, voilà, je l'avais dit, attends, même si. Même si, en train de voir là. Ouais. Bah, Nitrox, 10 tours sur ses pneus rouges, à mon avis, ils sont morts, faut qu'ils rentrent parce que là, ça doit avoir il doit avoir du mal, je pense, le pauvre. Et ouais, au stand, Frozy, avec Lucifer qui le suit. Et voilà, ça met des jaunes. Attends, et on voit Alex donc bien est sûr. Il est bien proche de Pransan, finalement Pransan n'a pas pu se défaire de l'AlphaTauri. Et voilà, et on voit que Lucifer ressort juste à ce moment-là. Il va ouais. Sortir devant Provençal là. Non, entre Provençal et Alex là. On Alex sur Provençal. Non, ça reste derrière. L'avantage c'est qu'il y a des pneus plus frais de 4 tours au minimum. Ah. Secteur 3, c'est une Williams, c'est Mouti Mouti. Récite-moi plutôt. Mouti Mouti qui a. Ah, qui, ouais. Qui a spin à la sortie de. Attends, parce que là il y a un peu de bataille partout. Quatre qui repasse dans Babtou là, ils sont coude à coude. La Williams c'est l'AlphaTauri. Oh, c'est beau, c'est beau. Et Antoine qui arrive à ressortir devant avec ses pneus tout neufs. Oula, les pénalités se cumulent pour les pilotes. Il me semble pas de pénalité pour le top. Je crois que Frozy n'a pas de pénalité, contrairement à Horizon. Je vais vérifier ça vite fait. Horizon qui n'a pas. Horizon qui a déjà 2 avertissements, Frozy un avertissement et DJ un avertissement aussi également. Ah, attends, Lucifer voilà. Acte 3 avec Provençal peut-être. Est-ce qu'avec sa VMAX un petit peu inférieur par rapport à la Ferrari bâtiment. Oula oui. Là je pense. Oh, il a plus beaucoup de RS là, il va peut-être. Ouais, il tombe en rate de RS, malheureusement. Là, c'est bon, il en récupère. En a pas mal. Oula. Qui en profite, oh, qui se met en mode 3. Oh la différence de puissance quand même entre le RS et le DRS là, c'est assez flagrant. Et devant on a Numsy qui remonte tranquillement sur DJ, hein. Numsy qui aura fait une grosse course. Attends, hein, attends, parce qu'on a encore Babtou 4 Hacho là. Ça se touche bien, ça se colle bien, mais ça se respecte. Bon ben voilà, on a eu pour l'instant eh bien on a le même scénario mais avec l'écurie différente hein, de Ligue B Liga. Ligue B c'était les Mercos devant et là c'est les Renault qui sont les chefs de cette course pour l'instant. C'est vrai qu'on se profite vers un petit doublé peut-être avec les deux Renault. Ça, pour l'instant ça sent bon. Qui arrive à les séparer, voire même si hein, parce qu'il est sur un rythme assez fou en ce moment. C'est vrai qu'après il est parti premier dernier tour, enfin fin du tour hein, 19ème et là il remonte il remonte bien comme et il remonte comme une belle sur DJ là, c'est sûr que. Bah, attends Babtou là qui va peut-être repasser devant les SDS Carry. Wow. On a Lucifer Provençal hein, qui vont secteur 1, secteur 2, c'est JB le zombie je crois il me semble encore une fois. Alors, attends, on va regarder du côté de. Namsi qui va avoir la spi qui va sûrement passer. Oula, là. Oui, Namsi là il va Namsi va y aller je pense là. Ah oui. Oh oui. Ah, c'est parfait. Et on a Provençal Lucifer juste derrière si tu veux aller voir. Provençal qui voit se décaler Lucifer qui ne fait pas de décalage, ça sert à rien, il sait qu'il est battu de toute manière. Ouh ils sont côte à côte là. Oh, Lucifer qui a fait des freins. C'était beau, belle bataille. Ils sont touchés au frein, effectivement. Et derrière on a encore 4 Hachou Babtou hein, oui, qui sont encore en. Pas dire dernier mot hein. Par choc dans par choc là. Attends parce qu'il est un peu loin peut-être avec la spi s'il arrive à revenir. De toute façon là on a deux batailles, on a Nobsi DJ, Lucifer Provençal et 4 Hachou Babtou. Et on a aussi derrière The Raven Nitrox là qui sont assez proches. Avec Valou qui est derrière aussi.
Ah oui, on va regarder Valouk ça tout de suite parce qu'il y a peut-être une petite bataille là. Valouk a 10 tours sur ses pneus malheureusement. Ouais, ça va être un peu compliqué d'aller jusqu'au bout comme ça. Ah, Provençal, Lucifer, acte 35. Attention, Provençal qui se décale sur Lucifer. Ah, ça bloque un peu, mais ça passe. Et Lucifer qui ressort un peu moins bien, du coup. Ouais, sauf qu'il va peut-être bénéficier encore de la SPI là. Et du DRS. Et cette bataille. Cette bataille profite à Alex hein, qui remonte tranquillement là. C'est vrai que ça, ils ont fait un petit switch au stand je pense avec Catracho parce qu'il était derrière Catracho. Mais je crois qu'il me semble que Catracho je crois qu'il a fait des pénalités. Qui va tenter ou pas? Oh oui, il tente là le freinage. Ça bloque. Roue dans roue. Ça va. C'était beau. Et d'ailleurs, on a 4 à chaud secteur 3. Ah, Valou! Et cette. Oh, c'est Nitrox et Valou! Ce sont peut-être. Safety car, je pense. VC. Oh là là. Ah, ah oui. Dommage. Ah oui. Oh, ils se sont plantés. Je sais pas ce qui s'est passé là, par contre. Vincent JB tout de suite là. Mais on les voit à gauche. C'est assez incroyable. Ah oui, je vois. Nitrox. Il y a Nitrox et Valou font là-bas. Je ne sais pas. Alors là, je trouve ça honteux d'une VC. J'aurais préféré une safety car pour relancer un peu la course. Ça aurait été sympa. C'est vrai, ça aurait été pas mal. Mais là, une VC. En plus, ça aurait été le bon moment. On fait un peu plus de la mi-course. Alors, est-ce que ce serait pas éventuellement d'être usé pour Valou qui aurait emporté Nitrox ou l'inverse? En tout cas, malheureusement, ça fait double abandon pour Red Bull hein, qui va faire un 0 pointé pour cette course encore une fois. Et attention, on a Provençal qui est assez proche de Lucifer. Là, attention à tous les pilotes hein, pour le Delta. On sait que le Delta est très capricieux sur cet opus. Et voilà, c'est ça. Voilà Mouti, on l'avait dit. VSC. Et pour le restart. Passage au stand pour Mouti. Attends, parce qu'il y a Bamtou là qui a l'air d'être bien placé à nouveau. Ah, il perd beaucoup hein, quand même dans le virage là. Alors attention, oui. Je pense qu'il va pouvoir y aller là, je pense, oui. Le mode 3, DRS, sur 4 à chaud. Ouais, c'est suffisant pour le défenseur. Le freinage, comment il s'est décalé dans la trajectoire. C'est un miracle que Catracho lui a pas refait l'arrière. Wow. Et il reprend son bien Catracho. Il se monte toujours, ou au freinage. Tente toujours. A réussi à rester devant le Bamtou alias Kiwi Racing. Catracho qui va en profiter là peut-être. Est-ce qu'on l'a vu ou pas le départ? Ouh, prends ça qui a failli perdre sa monoplace là dans. Dans Ascari. Attends, parce qu'Antoine, Catracho, là dans la spi, il vient là, il va se décaler. Namsi là, qui est en train de. Qui a dépassé DJ, donc je sais pas si on l'a vu, mais. Ah, attends, parce qu'il y a bien joué Antoine, parce qu'il a attendu d'avoir le DRS à nouveau pour être tranquille sur la ligne droite. Prends ça de Lucifer, acte 65. Décidément, ils nous offrent une belle bataille. Voilà, encore côte à côte dans la chicane, encore une fois. Ouh, le Provençal qui a bien fermé la porte. Cette VSC est un scandale. Que Mielson ne veut pas d'une victoire AlphaTauri, honteux. Bah écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux sont quand même assez loin. Donc, même s'il y avait une Car... Valmore qui nous dit et boum. Ah, bah a priori, c'est un crash. Ça, bien entendu, je présume, mais. Un crash. JB qui nous fait le meilleur tour là de la session. Ouais. C'était des fois toujours un petit point pour l'instant. Ah bah tout il se prend 3 secondes. Il va faire ses affaires face à Catracho pour la 8ème place. Ah là, ça fait 6 secondes là déjà. Ah. Je crois qu'ils sont à égalité avec Babtou et Catracho. Et on a. Qui se rapproche parce que est-ce qu'on a un acte 20 là? Ah, Namsi qui prend une 21.9 hein, en blanc.
Avec 7 tours dessus, là, Nomsi qui cravache, là. Bah écoute, on va essayer de surveiller ça, parce qu'il est à 4 secondes de Prozzi. S'il arrive à remonter sur Prozzi, ça peut être intéressant. Alors, attends, je vais vérifier un truc. Lucifer va retenter au freinage. Oh là 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 là. Et ça se passe bien pour cette fois-ci à nouveau. C'est vrai que là, pour l'instant, le Lucifer Provençal est bien. Il se chamaille à la 5ème place. Hein. J'ai le vent entre les deux. Les deux gaillards, s'il n'y a pas des pénalités qui pourraient tuer cette belle bataille qu'on est en train de voir. Ah, Lucifer qui a pris deux pénalités, hein, donc il a 6 secondes là, malheureusement. Parce qu'il va faire les affaires d'Alex, hein, 4 à chaud, 9 secondes là. Et Mouti 5 secondes, qui avait passé à 140 dans la voie des stands. Et Mouti Mouti qui est le premier pilote à se prendre un tour de cet opus. Attends, peut-être Lucifer qui va revenir à la charge à nouveau. Il est très très, il est très loin là, il est très loin. Et bien là maintenant on a les hackers qui sont un peu figés. Mabtou 4 à chaud, c'est à 7 dixième, on a que Lucifer qui est assez proche de Provençal, mais sinon c'est que de l'observation maintenant entre chaque pilote. Attends, mais il est en train de fondre notre ami Nomsi là, il a 2 secondes 8 là. Attraper une. C'est vrai qu'il remonte, mais il va falloir qu'il le dépasse puis qu'il lui mette 3 secondes. Hein. Donc il a du gros. Oh, ouf, Lucifer, j'ai fait. Alors, merci à Arcas Whisky pour ton follow. Avec le magnifique emoji d'Alonso dans son transat. Ah yes. Merci à toi. Alors là, attends, c'est une nouvelle bataille. Eh oui. Oh là là, ça a l'air d'être mieux placé là. Je pense qu'il va le faire à l'intérieur tranquillement. Il va pouvoir être tranquille au freinage. Et attends, parce qu'il y a aussi une. Si je dis pas de bêtises. Ah non, il y a une Force India, mais c'est une voiture retardataire, je pense. Oui, c'est Mouti, c'est pour d'accord, c'est Mouti. J'allais dire, ils se font attraper par derrière, mais non, ça va. Sinon, dans le même. Ouh, il s'est raté, Lucifer, dans le virage. Ce qui permet à Provençal de repasser devant. Une énième fois. Et dans la même veine, on a aussi des traits de Chopatou. Hein. Je pense que c'est ces deux petites batailles qui se profilent à l'heure actuelle. Même si notre ami Nomsi se rapproche dangereusement, en tout cas, quand même, là, il a rattrapé encore un petit peu, quelques dixièmes. Ah, il prend en salle 3 secondes, donc là lui aussi j'imagine n'est pas son premier coup d'essai. Bon, attends, on va avoir 4 atchous. Ça sort large pour Kiwi Racing. Ça repasse pour 4 atcho. Je rêve où notre ami Mouti est repassé devant les deux. Hein. Il y a un petit bug. Ça se passe comment là? Non, bah, il est adepte le plus frais donc. Alors, il ne peut que. Bah oui, parce qu'il est en mode en fantôme et qu'il est retardataire. Et oui, donc non, moi je ne suis pas surpris sur
deux secondes, Fuzzy. Ah, attends, je vais mettre le live. Hop, pour tenter le jeu. Et c'est parti. Et oui, t'étais absent pendant quelques secondes. Je me disais, j'étais bien seul. J'écris là. Bob2, qu'est-ce qui est remonté sur Bob2 là, on peut entendre ça? Non, mais ils étaient déjà ensemble. Oui, non, mais non, Bob2, t'es devant 4HO avec 0-7 d'avance, mais là. Attends, parce que ça va se repasser, mais là, je pense que Bob2 va gentiment attendre derrière 4HO pour avoir le DLS. Oui, je pense aussi. Et on a un petit train là, j'ai dit un petit train, mais non, du coup, il n'y en a que deux. Mouti ne compte pas dans le train. Non, il y a deux petites batailles, mais pour le moment, chacun dans son coin. Et Namsi là qui a 0.8 d'avoir le DRS hein, sur Frozy. Hein. Et oui, je pense que ça va, il va nous offrir une fin de course assez palpitante. Malheureusement, cette fin de course ça va être un petit peu annulée par à cause de sa pénalité qu'il a reçue. Mais en tout cas, 3 secondes de pénalité pour Namsi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec 11 tours sur les blancs, il est plus rapide que 9 tours sur les jaunes. Hein, on a eu malheureusement c'est dommage pour lui, mais heureusement eh bien que il s'est crashé parce que ça nous permet d'avoir une petite bataille en fin de. C'est Zerven qui s'est planté à la chicane. Je l'ai vu Zerven qui va laisser passer JB en pendant celle-là. Voilà, Zerven qui a laissé passer JB. On retourne sur les têtes de la course. Attends, là avec Attends, vas-y, reste. De toute façon, Lucifer Provençal, ils se sont collés toute la course. Et même Provençal, même 4HO, Bob2 aussi. Lucifer qui attendait gentiment, il est passé, il a fait la bonne opération là parce qu'il a eu le point de contrôle pour le DRS, il va pouvoir le garder, je pense. Il la garde ou pas? Oui, il l'a. Il la garde, il a fait le bon plan là. Provençal fait un petit peu raté, je pense, en voulant lever le pied. Il faut qu'il en profite, Lucifer là. Ah là, c'est oui, une opportunité pour s'envoler. Bah écoute, on va rester encore un petit peu sur ces deux petites batailles, mais après, je pense qu'on va pouvoir se diriger sur la Mercedes de Namsi hein, pour voir une potentielle bataille avec Frozy pour la deuxième phase. Je regarde de temps à autre, mais je pense qu'ils vont se neutraliser en une seconde 3 jusqu'à la fin, je pense. Oh là là, Namsi qui bloque les roues là. DJ qui petit à petit commence à perdre un peu de terrain sur Lucifer et Provençal là. Ouais, il va falloir que. Alors attends une seconde, ça va venir bientôt. Ouais, oui, ils sont à 5 secondes, c'est vrai, mais il a pas fallu avoir 32 tours, je pense, hein, pour notre ami DJ là. Parce que là quand même malgré même avec leur bataille c'est un petit peu à rattraper DJ hein. Et c'est bon, Namsi qui est dans la zone de DRS pour Frozy. C'est assez beau à voir là. Ils sont en égalité au niveau de l'ARS là pour l'instant. Bah écoute, on va aller les voir, on va rester encore une dernière alors, fois. Reste un petit peu sur derrière parce que attendons la prochaine zone de DRS là, mais en tout cas moi je suis sur eux là. D'accord. Et Frozy ouais il commence. Tu dirais qu'on bascule sur eux. Eh bien tu peux éventuellement peut-être commencer à basculer ouais. Parce que là il va y avoir le DRS là. Ouais, DRS, RS à 3, Frozy qui n'active pas. Et il garde pour, je pense, la ligne droite. Frozy qui est activé là, Frozy qui active. Namsi aussi. Roue dans roue. Il soit toujours à égalité au niveau de l'ARS. Hein. Il gère très bien l'ARS. Namsi qui a un peu de mal dans cette portion, je trouve. Écoute, est-ce qu'il a très en forme avec ses blancs hein, parce que je pense... Ah, et JB qui s'est aussi planté, je pense, à la chicane. Est-ce qu'il y a des dégâts au niveau de l'aileron? Non. Je ne pense pas. Ouh, et on a Mouti qui nous a fait une ligne non contrôlée. Ah. Il vient de se mettre dans le mur là. Je l'ai vu sauter dans tous les sens. Ça a l'air d'aller pour. Enfin, ça a l'air d'aller. Alors, est-ce que va se faire Namsi parce que comme tu me disais qu'il a des Bena. Wow, il tente l'intérieur là. Ça va, il attend gentiment, il sera pas derrière. C'est maintenant qu'il faut qu'il en profite hein, parce qu'il a quoi 3 secondes, 6 secondes, il a combien de secondes en tout de vérité
3 secondes il me semble, je vais voir, mais je trouve qu'il a 3 secondes. S'il arrive à le doubler en 2-3 tours, s'il arrive, ouais, il faut quand même qu'il aille mettre une seconde à Posi. Et ça passe pour le moment, même si qui prend la deuxième phase. Drapeau jaune secteur, bah c'est encore ouais. Moti qui rentre au stand là. Mauvais jour pour Moti malheureusement là. Quel est le point cassé, les pneus à changer. Ouais. Et des jours avec et des jours sans. Et voilà, donc pour l'instant, un homme qui est donc drapeau jaune secteur 3. Moti ouais, qui a abandonné. Il a rendu les armes, on lui a dit que c'est monoplace. Alors ce petit jeu là, Catracho va avoir plus de pénalités que Matou. Et attends, je suis en train de réfléchir parce que notre ami Kusa il est pas très loin là, il est à 4 secondes derrière, donc il y a moyen qu'il passe devant. Kusa il a des pénalités je crois, il me semble qu'il a 3 secondes sûr, mais je sais pas s'il aura plus. Mais bon, c'est vrai que Catracho il est déjà rendu à je sais pas combien là. Allez, dernier... Voilà le zombie qui ralentit. Ouais, oui, le zombie qui laisse passer, oui. Et en tout cas, on a bien plus que 2 tours pour donc ce tour et l'autre tour pour Nomsi à mettre 3 secondes à Frozy. Hein. Plus que 2 tours. Je pense que ça va être compliqué, il va rester devant. Non, mais il va pas réussir. Ou alors, ça va vraiment être très très cher parce qu'elle est à 0.6. De toute façon, c'est pour ça que Frozy n'a pas trop insisté. Hein. J'imagine qu'il a fait peut-être le calcul ou je sais pas si quelqu'un lui a dit. Mais... Bah si, de toute façon, peu de gens le savent, mais si vous appelez Jeff en se disant pilote devant, pilote derrière, eh bien, il vous dit s'il est pénété. Une seconde, Frozy qui est sorti de la zone de DRS, attention, hein, parce que c'est malheureusement, et eh bien, horizon 3 secondes, donc, JB encore, malheureusement, JB qui est au ralenti, là, c'était ligne droite. Là, on va assister à pour l'ancien tenant du titre à une peut-être. Eh, on a le zombie qui s'est crashé et qui a fait une Verstappen. Oula, il a quand même réussi à rattraper 5 dixièmes sur un secteur et demi. Ah, c'est peut-être possible là. Et on a toujours. On a déjà donc toujours Provençal Lucifer en bataille. Hein, ah ouais, bah derrière. On va rester sur eux. Ah bah là oui c'est... Et attention, on a Catracho. Ouais, j'ai dit un qui remonte sur Alex. De toute façon, le plus important c'est celui qui sera devant dans la parabolique dans le dernier tour quoi. Et là, c'est là où il faut rester devant. Pour le moment ça va profiter à Provençal qui va se mettre devant. Allez, même si il faut tout donner, ce dernier tour. Le bug. Oula, j'ai l'image qui a figé. Et Lucifer qui reste encore devant, a priori. Secteur 3, McLaren, c'est The Raven ouais, qui s'est planté. C'est fini pour The Raven. JB, les zombies qui vont pouvoir prendre une place d'honneur. Et on a, un petit peu Horizon, parce qu'Horizon l'a pas vu de la course, malheureusement, étant donné qu'il était un peu dans son élément, seul au monde. Et voilà. Et c'est fini, malheureusement, et bien, Nomsi qui va faire une très très belle troisième place. Et Horizon qui va bien commencer la saison avec une victoire sur le et double Renault. Monza. Double Renault surtout. Hein. Et Horizon qui fait le meilleur temps dernier tour. Dernier moment. Une 21, Nomsi deuxième, Frozy deuxième, voilà, Nomsi troisième malheureusement. Du côté de Renault. DJ quatrième, qui aura fait une grosse course, qui aura géré ses pneus. Et drapeau jaune, c'est Babtou. Babtou s'est planté. Ah, alors je sais pas, parce que là on va commencer à Lucifer et c'est profite à Lucifer, donc après est-ce que les pénalités ça va changer? Non, voilà, pour ça qui est passé 5ème. Attention, Alex qui va passer la ligne, suivi de 4 à chaud. Ouais, ils sont côte à côte, voilà, ils sont contents. 4 à chaud qui va passer derrière Kusa, je pense, voilà, 4 à chaud 9ème. Babtou qui passait 9ème, 4 à chaud 11ème, oh là là. Riak qui passe 9ème hein, grâce aux pénalités, Mastak 12ème. Et voilà. JB. Tour d'honneur pour JB. Qui a eu une course difficile malheureusement. Mais qui va savoir rebondir je pense pour la prochaine course. Mais la Ask est assez capricieuse hein, comme on a pu le voir aujourd'hui. Ouais. Et c'est fini.
pilote du jour, a priori, c'est Lucifer. Ah, Lucifer qui a fait une grosse course, hein, sorti en fin de... Petit selfie pour Horizon. Mention spéciale à mention spéciale à Fouzi quand même et JB qui sont les deux seuls à ne pas avoir de pénalité tandis que 4 à chaud avait et bien on va voir ce que nous dit le jeu 12 secondes de pénalité et bravo à Riak pour seulement 3 secondes qui a permis de mettre dans les points et bien voilà. Classement qui est conforme à nos attentes, je pense, en ce début de saison. Bah, très. Ouais, il a pris 12 secondes de 4 H au pénalité, tout ça. Ah, oui, il a pris cher. mais oui, c'est sûr que oui, assez surpris quand même de. Il reste bloqué. Oh ! Ah, d'accord, JB a eu un problème. Le reste bloqué en permanence en mode dépassement. Ah. D'accord. Ouais, c'était sûr que là où il y a eu un problème apparemment. Malheureusement, ça se voyait pas, je crois, sur la HUD. C'est dommage, mais bon. En espérant que ce bug ne soit plus d'actualité pour les prochaines courses pour lui. Bah ouais. Et alors attends, hop. Bah écoute, est-ce qu'on a des pilotes qui sont chauds pour passer ou est-ce qu'on clôture le live sur ces belles images? Alors, je ne crois pas que des gens se sont manifestés. Non. Alors, est-ce que sur le live, des gens qui sont là et qui veulent, en termes de pilote, hein, bien sûr, passer? Non, je pense pas en vrai. Je ne pense pas. Bah écoute, on va profiter alors pour clôturer cela, je pense. On a eu droit à une belle petite course de début de saison. Bah en soi, pas de grosse surprise, hein. Je pense que bien au contraire, ça va être une saison assez disputée avec pas mal de pilotes. Donc je pense qu'on aura droit à de nouvelles épreuves palpitantes tout au long de la saison. Encore 9 Grands Prix au calendrier. Et d'ailleurs, on va profiter. Bah, attends, on peut en profiter pour voir quel est notre rendez-vous de la semaine prochaine. Ligue B, Abu Dhabi. Effectivement. Que nous montre notre petit classement. Enfin, notre calendrier, pardon. Et ouais, donc on se retrouve donc forcément sur le Grand Prix d'Abu Dhabi. D'abord la Ligue B, puis après la Liga. C'est ça, ouais. Pour la semaine prochaine. Et restez aux aguets, peut-être que mercredi, il y aura un truc, on sait pas.
Bah écoute, ouais, on va voir, on va essayer de proposer d'autres choses, des petits events et tout en plus de ce qu'il y a en F1, donc peut-être des choses en plus qui seront préparées tout au long de la saison, donc on verra ce qu'on pourra faire. On verra ça. En tout cas, restez avec les notifications activées. Restez connectés, effectivement. En tout cas, c'est ça. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Effectivement. Et vous souhaitez une très bonne fin de soirée. Et sur ce, n'hésitez pas à vous revenir, même endroit, même heure, dimanche prochain à 21h pour un prix d'Abu Dhabi. Et cette fois-ci, ce sera la Ligue B, donc des petits poussés qui vont rouler cette fois-ci. Des petits poussés. Avec peut-être une nouvelle victoire de la part. Et vous allez retrouver, bien sûr, évidemment, nous-mêmes, hein, nous deux, pour cette course. Alors moi, non, malheureusement, je serai en déplacement ce jour-là, donc je ne serai pas sur la piste, mais je serai aux aguets pour regarder live et voir une belle course avec peut-être une nouvelle victoire de ta part, sait-on jamais. Oh, arrêtez donc, hein, je pense, allez, pronostic, Ligue B, Edix gagne. Ou alors Linz. Mais pas moi. Moi, je gagne plus. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut s'entraîner. Ça marche. Bah allez. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt. Bisous. Bisous.